entre ces trois valeurs qui n'existent pas les unes à côté des autres, qui sont pas là juste pour se juxtaposer, mais qui sont vraiment qui s'imbriquent ensemble. L'une ne va pas sans l'autre. Et en fait, on commence par grandir ensemble en créant un bon climat de confiance, ce qui va pousser tout le monde à oser entreprendre et ensuite, ça permet à la structure dans son ensemble de mieux performer. Dans le store, on a nos ventes qui ont augmenté et donc on avait une réunion avec les personnes du store pour voir comment s'organiser, comment sortir de plus en plus de commandes. Et on avait quelqu'un qui nous dit « Oui, alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de commandes à sortir, mais en revanche, il y a des produits qui tournent moins. » Il y avait une gamme de produits qui avait tendance à réduire. Et il disait « Moi, dans mon village, je sais que c'est les produits qui plairaient beaucoup. Et j'aimerais en prendre quelques échantillons, aller dans mon village et faire une présentation. » Alors que c'est quelqu'un qui travaille dans le store, qui n'est pas forcément une vocation commerciale. Et c'est quelque chose qu'on avait mis en place, qui avait assez bien marché. Il avait vendu plusieurs litres. Et aujourd'hui, cette personne, elle est passée du store dans l'équipe commerciale, puisque c'était une aspiration personnelle. Donc voilà un exemple qui fait que, ou qui allie, je dirais, le grandir ensemble et l'oser entreprendre. Et finalement, ça sert le mieux performer, puisqu'on est en fait une équipe tous ensemble avec un seul but, qui est de promouvoir nos produits et notre agriculture saine et durable au Kenya, en l'occurrence.